se retrouve sur la suite de journée avec notre petit personnage qui court dans un désert dans des tons roses, orangés un petit peu. Et en fond, nous avons une montagne et des nuages qui semblent comme dessinés. Et on glisse sur le sable. On va avancer dans ce désert en direction de cette montagne. Les effets d'ombre et de lumière sont particulièrement beaux, je trouve. On va aller en direction de... se passer. C'est vraiment très très beau, je trouve. Je ne sais pas où elle nous emmène. À un autre personnage qui nous rejoint. Avec nous. Nous sommes côte à côte et on décolle et on retombe. Nous suivons toujours cette étoffe. Trois autres étoffes qui sortent de leur prison et qui nous emmènent au travers les dunes. On va les suivre. Continuons à marcher dans le sable avec cet autre personnage qui n'est autre apparemment qu'un autre joueur. C'est ce que vous m'avez dit. Toujours avec lui. On arrive à un bâtiment. Enfin, ce qu'il en reste.
activer un grand nombre de petites étoffes, ce qui nous permet temporairement de voler. Nous allons continuer un petit peu plus loin dans le jeu. Comme vous le voyez, les étoffes peuvent rentrer dans le sable et en sortir. C'est assez joli, elles laissent des traces, des traînées dans le sable. Là, il y a un effet de vent. On se dirige vers un pont qui semble coupé. Avec une tempête de sable. On va suivre l'autre personnage. Je sais pas ce qu'il va faire. Il a sauté de l'autre côté. On y va aussi. Mais moi je suis tombé. C'est pas grave. On va remonter autrement. Ces étoffes qui tournent, on peut peut-être les utiliser. On va aller voir un peu plus loin. Ah, il y a une chute de sable. On ne peut rien faire avec. Marchons encore et toujours dans ce sable et cette tempête. On ne voit pas très loin, on devine les choses. Je ne sais pas trop où je dois aller pour continuer l'aventure. On va monter ici. On va essayer d'aller plus loin, plus haut sur le bâtiment. Si on peut interagir avec l'étoffe qui était coincée, qui nous emmène en haut. Il y a un mécanisme qui est activé. Il fait un peu de bruit, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant dans la vidéo. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut continuer à avancer. Plein d'étoffes à l'intérieur. Mais apparemment, on ne peut pas les activer.
activé. L'espèce d'hôtel sur lequel nous pouvons méditer. Et ce personnage blanc, plus grand que nous, on continue notre parcours. Espèce de carte qui représente sûrement notre avancée. Des étoffes qui volent un petit peu partout. Et nous allons continuer. Je pense qu'il faut activer celle-ci pour pouvoir monter dessus. Un écran blanc et un coucher de soleil. Dans le sable avec toutes les étoffes qui nous tournent autour. On passe à travers une porte dans un espèce de tunnel. Et à travers une chute de sable pour se retrouver de nouveau en extérieur. Nous avons des mécanismes activés. Je viens d'activer le premier. Nous allons continuer vers les autres pour tous les activer, ce qui nous permettra sans doute d'avancer un peu plus dans ce paysage magnifique. Le second, nous allons vers le troisième. Troisième, c'est fait. Nous dirigerons vers le quatrième. Et voilà. Nous avons activé apparemment tous les mécanismes. Apparaître plein de petites étoffes, ce qui va nous permettre de passer à travers l'espèce de porte qui est en hauteur. Donc allons-y. C'est parti.
son sang sans aucun problème. Nous sommes dans un espèce de bâtiment avec des colonnes qui le soutiennent. Et nous en sortons pour continuer à glisser avec le vent qui balaye le sable. Et voici le fameux hôtel dont nous allons bientôt arrêter cette vidéo. Je vais l'activer. Nous allons méditer devant. Et de nouveau, ce grand bonhomme blanc, bien plus grand que nous, sans doute un genre de maître. Nous sommes un petit peu l'apprenti. Je pense que c'est plus ou moins rituel initiatique, enfin je ne sais pas trop. Toujours cette carte qui semble montrer notre avancée. Nous sommes maintenant dans un endroit qui semble bien plus obscur. Nous allons passer cette porte. Et nous allons arrêtez là la vidéo. J'espère que cette suite sur journée vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.